Bah cool. Mais tu t'en fous, non? Avant d'être sur Facebook et tout ça. Bye. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai une crampe. Oh, ça va, t'inquiète. C'est rien. Enfin, ça fait mal. Aïe, mais t'es insupportable. Oh, mais tu sais, c'est rien. Arrête de faire ta chuchote. Pourquoi tu trembles? Arrête de trembler. Je sais pas, non, je peux pas. Arrête. Je peux pas. Faut que t'ailles voir un docteur, là. Tu veux qu'ils me disent quoi, là? Voilà, docteur Chrono, c'est à 20 minutes d'ici. On y va maintenant, ok? Que se passe-t-il, mademoiselle? Calmez-vous, respirez. J'ai peur. Dites-moi. Je tremble de partout. Vous tremblez, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris de la ventoline. De la ventoline? Pourquoi? Mais je perdais. Vous perdez, mais de quoi? Je ne peux pas comprendre. Je faisais un match de tennis et j'ai paniqué, j'ai pris de la ventoline et là je suis en train de mourir. Calmez-vous, calmez-vous, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Enfin, j'ai aussi des maux de tête, mais... Oui, c'est un effet qui arrive souvent. Vous pouvez aussi avoir des bouffées de chaleur, des rougeurs cutanées, de la nervosité. Et en cas de grande consommation de ventoline, vous pouvez avoir une diminution du taux de potassium et une augmentation réversible de la glycémie.